Le parcours sonore et innovant Oreille en balade, initié par Sophie Pillot, a été inauguré ce 9 juillet dans la Bastide de Sauveterre de Rouergue. Alliant passé et présent, ce concept propose, à l'aide d'un QR code, d'accéder à des fichiers audio. Ce dispositif permet de se faire raconter les histoires d'un lieu par les habitants du village et les enfants qui ont participé aux enregistrements. L'idée, c'est que ça soit les habitants qui racontent leur village et le village surtout des années 50. Parce qu'on sait qu'avec les 30 Glorieuses, les villages ont... La vie d'autrefois est en train de complètement disparaître et bientôt on aura des enfants qui passeront devant des fours à pain, des puits ou des travails et qui se diront à quoi ça pouvait bien servir. Donc c'était important de collecter cette mémoire et puis de pouvoir la transmettre et la partager. Bon, alors Annie, tu fais partie des gens qui ont participé aux enregistrements de Oreille en balade. Oui. Donc, la finalité, tu trouves ça comment ? Eh bien, je suis très, très enthousiaste parce que ça fait revivre le village de mon enfance. Des enfants, j'étais enfant dans ce village-là et les enfants étaient partout. Ils voyaient tout et ils ne savaient pas que les choses allaient changer. Pour eux, c'était, pour un enfant, ce qu'il voit, c'est forcément toujours. Et non, ce retour à l'enfance me ravit. Après, vous êtes devant les lieux, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va vous permettre de décrypter et d'avoir les clés pour comprendre le lieu. Quand on est devant le travail, en tout cas dans certains, parce qu'on en a plusieurs, on en a trois des travails sur les différents parcours, il y en a certains où on explique comment ça fonctionne et donc vous voyez bien le morceau de fer, vous comprenez à quoi il servait. Ça donne des clés aussi sur ce qu'on a visuellement. Évidemment, si vous êtes non-voyant, ça permet aussi de partir dans l'imaginaire à cette époque-là. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes de Lille ? Eh bien, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Alors, nous qui venons souvent en été dans une commune, on s'aperçoit que d'avoir fait ça, ça nous permet d'apprendre pas mal de choses. Voilà. Entre autres, la maison de l'artisan qu'on ne connaissait pas. Voilà. Le dispositif s'étend sur 14 villes et villages et propose également 9 parcours transversaux. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur le site dédié oreilleenbalade.ue.